En arrivant à Jerez de la Frontera, on entre dans la fameuse Andalousie par l'une des portes les plus discrètes qui soient. Jerez est surtout connue pour les trésors qu'elle cache derrière ses murs. C'est ici que se concentre la production du très fameux et pourtant encore mystérieux vin de Jerez, Uxeres ou Sherry. Nous allons faire le point ensemble. Nous voici aujourd'hui dans les grands paysages de l'Andalousie et plus précisément dans le territoire de l'appellation d'origine contrôlée de Jerez, une région encadrée à l'ouest par le Guadalquivir, à l'est par le Guadalete et au sud par l'océan Atlantique. Une région qui produit un vin bien particulier, bien spécifique que nous allons découvrir ensemble. Chère Maria, pourriez-vous nous expliquer un peu quelles sont les particularités de ce terroir ? Bueno, especialmente esta zona es muy característica por varias razones. Primero, por el microclima de esta zona. Nos encontramos en una zona muy particular en el cual pues, tenemos vientos de poniente que sobre todo son los que nos aportan la humedad necesaria para las uvas palomino. En segundo lugar, en la tierra. Si vemos la tierra, es una tierra que tiene unas características muy peculiares. Es una tierra que tiene mucho contenido en carbonato cálcico, ¿veis? Y una de sus particularidades es que trabaja como una esponja, manteniendo todo el agua de lluvia en su interior para las raíces. Y en tercer lugar, hablando de las cepas, la uva palomino, que es una uva blanca, es una uva mediana, que es la uva típica para los vinos finos, amontillados y olorosos, para los vinos de Jerez secos. Eh bien, nous allons déguster ça ensemble et voir un petit peu les différentes particularités de cette variété de Jerez. Et nous voilà devant une belle illustration du processus d'élaboration du fino. Pourriez-vous nous expliquer un peu exactement ce qu'il en est ? Bueno, los finos en Jerez son muy particulares, únicos en el mundo, por las levaduras que desarrollan en la parte superior. Le llamamos la flor del vino. La flor del vino va a proteger al vino fino contra el aire, por lo tanto, contra la oxidación, contra los procesos oxidativos. Por eso, el vino fino es tan pálido en color, tiene un color pajizo, amarillento. Y por otro lado, podemos hablar que el fino es el vino más seco que podamos probar. ¿Por qué? Porque la flor del vino necesita alimento. ¿Qué come la flor del vino? Va a tomar la glicerina del vino fino. Por lo tanto, el vino va a prescindir de la glucosa, del azúcar. Y esas son las características fundamentales de los vinos finos. Connu comme étant un vin d'apéritif, le vin de Jerez se décline en tellement de variantes et de nuances qu'il est possible de l'utiliser comme base pour des cocktails. Mais comme tous les grands vins, il peut aussi vous suivre à table, en effet. Le vin de Jerez n'est pas seulement un vin d'apéritif, c'est aussi un vin de table. Nous allons en avoir l'illustration ce soir au restaurant La Condesa avec le chef Israël Ramos, un disciple du grand chef Ferran Adrià, qui est un des grands maîtres de la cuisine espagnole. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir, Ramos ? Buenas noches. Para empezar, nosotros normalmente al cliente, nada más sentarse, le ponemos unos aperitivos, ¿vale? Compuesto por unas patatas con una espuma de mojo, que es pues, un mojo típico de la zona, pues hecho en mousse, en espuma, ¿no? También le ponemos un cóctel que lleva ese vino de Jerez, fino en este caso, con una espuma de pasión y después unas apetinas y unos frutos secos garrapiñados, ¿no? A continuación podemos empezar con un menú de degustación donde entrelazamos y mezclamos los productos de la tierra, como pueden ser unas sardinas maceradas en jabugo con cañahillas, con los vinos tan importantes que tenemos aquí en la tierra, como son los vinos de Jerez, ¿no? Intentamos que tengan una gran importancia en nuestra gastronomía y creo que pueden ir muy bien calzados con un menú de degustación. En este caso los servimos diferentes platos, que a continuación elaboraremos algunos, y siempre acompañados con nuestros vinos. Eh bien, je vous invite à passer à table, nous allons déguster tout ça ensemble. Chacune des nuances de ce vin trouve sa place dans un menu gastronomique.
Que ce soit pour les viandes blanches grillées ou les plats mijotés, on trouve toujours un Jerez à la hauteur. Pour étudier l'inventaire de la gamme, il est utile de faire la tournée des bars de la ville en gardant l'air de rien, si c'est possible. Du soleil au vert et du vert au soleil, ce vin peut être aussi sec et frais qu'il peut être doux et sensuel. Heureusement qu'on a un guide, enfin une fiche d'identification pour se permettre de pouvoir apprécier les nuances de chaque sherry. Et ce petit document est très très bien fait parce qu'il permet d'apprécier à la fois le goût et les couleurs, et de pouvoir donc vraiment apprécier toutes les nuances du sherry. Après cette première initiation, je vous invite à entrer dans l'un des temples de la viticulture espagnole, une institution qui a gardé et entretenu son image d'authenticité pour rester à la hauteur de sa légende. Nous sommes ici dans une des plus anciennes et des plus prestigieuses bodegas de Jerez. Oriana, pourriez-vous nous en faire un peu la présentation? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, bienvenue. Nous sommes dans la maison González Bias. Elle a été fondée en 1835 par un très jeune homme qui s'appelait Manuel María González. Il s'associa en 1855 à l'agent anglais Robert Blake Bias, d'où le nom de la compagnie González Bias, même si maintenant la famille González est responsable de toute la compagnie. Bien. Cette maison produit le fameux Tio Pepe, que tout le monde connaît, qui est une très vieille marque espagnole. Mais je crois que vous avez également une gamme assez large de vins espagnols. Oui, oui. En fait, on a une offre assez large car nous avons pas seulement des vins de Jerez avec, bien sûr, Tio Pepe. Nous avons aussi des Brandy, mais nous produisons aussi des vins de la région, par exemple, de la Rioja avec la marque Beronia. On a des vins de Castilla-La Mancha. On a aussi du Cava. Donc, vraiment, on a une offre vraiment assez intéressante. Bien, bien. On va continuer cette visite et découvrir un petit peu les secrets du sherry tel que vous le produisez. D'accord. Donc, cette petite bodega, c'était la bodega privée du Tio Pepe. Et c'est là où a commencé la solera de notre fino Tio Pepe. Quand on a une telle histoire derrière soi, on peut se permettre de regarder les stars de haut et leur accorder le privilège de laisser leurs traces, non pas dans du béton frais, mais en signant l'une des barriques de la maison. Sur les centaines de signatures identifiables, vous pourrez reconnaître entre autres celle du pilote de Formule 1 Fernando Alonso et de son aîné Ayrton Senna. Ainsi que celle d'Esther Williams, d'Orson Welles et quelques autres grands amis de la bouteille comme Ernest Hemingway. Bref, tous ceux qui aiment les bonnes choses de la vie. Tous les visiteurs sont les bienvenus, je dis bien tous, et surtout ceux qui apprécient en connaisseur, si discret soit-il. Les caves de Jerez ne sont pas installées sous terre, mais dans des bâtiments de surface. Certaines installations sont si vastes qu'elles prennent des allures de village. Ainsi, la visite se fait d'un bâtiment à l'autre en passant par des rues pavées ombragées par d'immenses treilles. Mais si la tradition a ses lettres de noblesse, Jerez veut aussi renouveler son image en créant de nouvelles marques qui, tout en gardant l'héritage de la tradition, veulent innover. C'est le cas de la maison Valdivia. J'ai choisi quatre de principaux vins du Jerez, parce qu'à Jerez, on a huit types de vins, que je vous ai dit. Mais par exemple, ça, c'est le fino, que c'est un des vins plus connus de Jerez. Et le fino, c'est un vin blanc, sec, qui vient de la uva Palomino Fino, que nous avons déjà parlé. C'est un vin qui est blanc, qui est sec, très sec, mais comme vous pouvez voir, c'est un vin que les couleurs sont près de l'eau. Très clair. Très clair. Mais, curieusement, c'est un vin de 6 années d'envieillissement. Le vin de Jerez devient du blanc au vin très obscur, comme le Pedro Ximénez. Par exemple, un autre vin très particulier, que c'est le vrai vin de Jerez, que c'est l'Amontillado, c'est un vin aussi, je pense, cet vin, c'est en moyenne 8 années d'envieillissement. L'Amontillado Valdivia, par exemple, c'est un vin qui passe une part de sa vie dans un processus d'envieillissement comme un fino, avec le vel de fleurs, le velo de fleurs, et l'autre part comme un oloroso. C'est ça.
L'Oloroso, c'est un bon vin, c'est un grand vin, c'est un vin sérieux, c'est un vin qu'on aimait beaucoup, c'est un vin qui va bien avec de la viande rouge, des casseroles, ah, des plats cuisinés. C'est un vin avec du corps, c'est un vin avec du caractère, c'est un vin bien, c'est un vin ancien, et tout ça qui est ancien, c'est quelque chose éduqué. Combien d'années dans la barrique? À peu près 6. 6 aussi. 6 parce que ça, c'est notre gamme premium. Nous avons aussi des vins qui sont plus vieux, mais ça, seront des vins plus fins. Nous avons choisi de faire des vins qui sont très faciles à goûter, très faciles pour connaître le vin de Jerez, mais surtout pour voir les différences avec des autres vins. Un autre type du vin de Jerez, que c'est très intéressant, c'est le vin de Jerez Pedro Jiménez. Ah oui, ça c'est le fameux Pedro Jiménez. À Jerez, on fait trois grandes catégories de vin. Ça qu'on appelle du vin généroso secos, que ça veut dire du vin fortifié sec. Ça qu'on appelle du vin douce sucré naturel, que c'est le Pedro Jiménez. Et ça qu'on appelle du vin généroso de licor, fortifié sucré, qui sont du vin qui vient d'un processus de coupage entre les autres deux catégories, qui sont les pâles crèmes, les crèmes. Ça, c'est un vin merveilleux. À l'image de son vin, Jerez est une ville un peu secrète. Elle donne une image calme et sereine d'une Andalousie que l'on connaît flamboyante et passionnée. Ici, au contraire, on garde les traditions. Même le flamenco est différent. Ici, pas de spectacle mis en scène pour flatter le touriste, pas de carte postale facile. Fière et rigoureuse, Jerez est aussi le berceau de la très fameuse école d'art équestre andalou mondialement connue. Baroque, fervente et recueillie, Jerez tourne autour du faisceau fantastique de sa cathédrale dans un théâtre de procession mystique. Posée entre Séville la brillante et Cadiz la rêveuse, Jerez vous offre le secret de ses trésors. On y retrouve une Andalousie authentique, sincère, généreuse et enthousiaste. À certains endroits, on y cultive le souvenir de la présence maure, mêlant avec bonheur, raffinement et sensualité. Ah, là, là, là.